30 years of innocence and peace in Belgium were shattered in the early 1980s. Citizens with no expectations of violence were murdered while shopping. No one knew who, no one knew why. Some suspected that right-wing elements in the secret services had penetrated left-wing groups and had even killed their own police to deflect attention from themselves. The suspicion was never proven, but nor did it ever go away. Secret. There may be times when host country governments show passivity or indecision in the face of communist subversion. U.S. Army intelligence must have the means of launching special operations which will convince host country governments and public opinion of the reality of the insurgent danger. U.S. Army intelligence should seek to penetrate the insurgency by means of agents on special assignment, with the task of forming special action groups among the most radical elements of the insurgency. I never heard such a thing, frankly. I don't know the origin of the statement, and you can find any statement in any country. I mean, you can find jackass statements anywhere. I suspect it is an authentic document. I don't doubt it. I never saw it, but it's the kind of special forces military operations that are described. On the other hand, you've got to recall that the Defense Department and the President don't initiate any of those orders until there is an appropriate occasion. It's Supplement B of Field Manual 31-32. It's 12 pages long. It's not a hell of a big thing, but if it's not authentic, then you need to ask somebody what is it doing in the classified manual section of most field manual libraries. Poi era un documento che mi consegnò un mio carissimo amico che faceva parte della CIA prima di rientrare in sede. Disse: prenditi questo, quando hai un ritaglio di tempo leggitelo. The field manual is an old forgery designed to show that there's some kind of accusing the United States basically of what the Soviet Union was doing in Italy, which was creating a secret underground paramilitary organization capable of acting to subvert Italian democracy. Je suis originaire de la région du nord de la province de Luxembourg. J'étais à ce moment-là gérant de banque et j'étais aussi un ancien du régiment paracommando. C'est simplement comme ça qu'un jour se sont présentés chez moi des gens qui sont venus me demander de les aider dans des manœuvres un peu spéciales qui allaient se passer dans le nord de la province en coordination avec les forces spéciales américaines. Au départ de la manœuvre, les commandos belges étaient chargés de récupérer les forces spéciales américaines qui étaient parachutées dans la forêt. Après cette opération, ils devaient se diriger donc vers des points de coordonnées et vers des attaques bien précises de casernement, de gendarmerie. J'avais chez moi le ravitaillement, les munitions, les relais radio, etc. pour coordonner les opérations. Un dimanche matin, nous avons appris dans les journaux, à la radio, qu'il y avait eu une attaque pendant la nuit sur un camp militaire d'une unité de chasseurs ardennais en Ardennes, ici en Belgique. Et je suis allé là-bas comme d'autres journalistes. On avait donc découpé les fils barbelés, on avait attaqué l'armurerie, on avait blessé en tirant le chef de poste et on était parti avec un certain nombre d'armes. J'ai pu pénétrer dans le camp parce que je connaissais certaines personnes. Et à l'intérieur du camp, je me suis aperçu qu'il y avait des militaires étrangers, notamment des Américains. Quelques jours avant, il y avait eu des bavures, c'est-à-dire que les Américains étaient trop motivés. Ce sont des gens quand même qui ont dans la quarantaine, tous officiers, c'est comme des mecs solides. Et ces gens-là ont joué le jeu un peu trop fort. Ils ont attaqué une caserne de gendarmerie dans la région de Neufchâteau. Ils ont même balancé une grenade défensive, je crois, près de chez le procureur du roi, à Neufchâteau. Il y a une réaction du pouvoir civil en disant: eh là, vos hommes, là, ils s'amusent un peu trop fort, on pousse un peu les choses trop loin. Donc c'est à ce moment-là que l'attaque de la caserne qui était programmée et que nous avions déjà été repérés 2-3 jours avant a été annulée. Le jour de l'attaque, on nous a prévenu que ça ne se passerait pas, mais les Américains m'ont comme demandé de les conduire derrière la caserne en stand-by pour attaquer la caserne. Le lendemain, j'étais parti avec mon épouse ici du côté de Namur, et j'ai entendu à la radio que la caserne avait été attaquée à minuit. L'attaque de la caserne, pour moi, je ne peux pas dire comment ça s'est passé, puisque ce jour-là, à 8 h du soir, moi je suis parti. Je les ai prévenus, moi je ne reste pas pour les opérations. Et pendant des semaines et des mois, l'explication que les enquêteurs civils nous donnaient, c'était qu'il s'agissait probablement d'une attaque menée soit par des bandits de droit commun, soit par des terroristes. Il a fallu attendre plusieurs mois pour qu'un jour je reçoive un coup de téléphone, et c'est ainsi que je suis allé en France, où j'ai vu Lucien Disler, qui m'a donné un texte et qui a parlé avec moi longuement pour m'expliquer qu'il jouait un rôle dans une manœuvre secrète qui devait reproduire des opérations de résistance et d'appui à la résistance telles qu'elles avaient été menées à la fin de la guerre en 1944. Le surlendemain, que j'ai reçu un coup de téléphone du commandant de la caserne de Vielsalm qui m'avertissait du suivi de l'opération. Il m'a dit voilà, dites au commando belge que le garçon que nous avons récupéré sur le terrain n'est pas mort, il est gravement blessé et nous l'avons conduit à l'hôpital à Liège. Le samedi du soir de l'attaque de ce camp, son rôle avait été de transporter une équipe de militaires habillés en civil à proximité du camp de Vielsalm et que les plans étaient, cette nuit-là, d'attaquer. Les autorités militaires belges et américaines qui ont également été interrogées ont fini, après des mois, par admettre qu'il y avait bien eu une manœuvre, par reconnaître qu'au cours de cette manœuvre, on avait bien organisé certaines attaques. Je me souviens par exemple qu'il a été question d'une attaque contre un dépôt de carburant militaire à Bastogne, une autre attaque la nuit contre une gendarmerie, une brigade de gendarmerie à Neufchâteau. Lentement, les militaires ont fini par reconnaître qu'il y avait eu certaines attaques. Mais en ce qui concerne Vielsalm, leur dernière version a été de dire que l'attaque de Vielsalm était programmée et puis qu'au dernier moment, elle a été déprogrammée et elle n'a pas eu lieu. On a retrouvé, vous savez, quelques-unes des armes volées à Vielsalm dans un appartement conspiratif ici à Bruxelles, appartenant aux cellules communistes combattantes. Mais les journalistes et les observateurs ont continué à se poser la question de savoir si c'était vraiment les terroristes qui avaient été à Vielsalm ou bien si peut-être on avait pu déposer les armes dans leur appartement pour faire croire que c'était eux. Allô, la bureau de rédaction? Oui. Bonjour, les cellules communistes combattantes. Oui. Nous pensons que les flics sont venus avant vous, avenue Louise. Alors nous allons vous adresser un nouveau message. Il se trouve 26 avenue Général de Gaulle, en face de l'étang d'Ixelles, dans l'entrée en dessous des boîtes aux lettres. In cases where the infiltration of agents into the insurgent leadership has not been effectively implemented, it may help to utilize ultra-leftist organizations. Il me paraissait très significatif que dans les années 80, s'était développé un terrorisme de type médiatique qui utilisait les médias pour provoquer un choc dans l'opinion et dans la classe politique. Alors ce terrorisme pouvait avoir deux origines, soit une origine d'extrême gauche ou d'extrême droite, être le fait de gouvernements étrangers ou de services de renseignement et d'action étrangers, un terrorisme qui vise à déstabiliser la société démocratique. Vous savez, en Belgique, il y a un certain nombre d'affaires non élucidées où une bande, vraisemblablement, a perpétré de très nombreux meurtres au milieu des années 80. Et on ne sait toujours rien de cela. Et certains ont imaginé qu'il pouvait y avoir une volonté de déstabiliser le régime démocratique dans notre pays.